dites bonjour à Judy et Timothy, tout le monde. Et voici Dan et Tiffany. Ils ont soif de sang. Oh non, je crois que je suis en train d'accoucher. Ce n'est pas possible. Ouch, je suis en train d'accoucher. Ah, ok, mon pote, ressaisis-toi. Ouais, t'as raison. On va tous s'en sortir. Je l'ai eu. Voilà, sain et sauf. Oh, regarde, c'est notre précieuse petite fille. Coochie, coochie, chérie. Bon, il est temps pour nous de voler jusqu'à la maison. Oh, elle est tout simplement parfaite. Ah, lâche-moi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et voici le dîner pour ma merveilleuse petite fille. Tiens, ma princesse. C'est un délicieux smoothie au sang. Oh, s'il te plaît, tu devrais vraiment manger quelque chose. Oh, chérie, je suis vraiment désolée. Je comprends pas. Pourquoi elle boit pas de sang? Mélanie, pourquoi t'as pris le téléphone de papa? Livraison. Qu'est-ce que tu veux dire par livraison? T'as commandé un Happy Meal. Mais on n'a rien commandé du tout. Écoute, paye et je m'en vais, d'accord? Oh, mais bien sûr, je pense que j'avais l'argent quelque part. Hé, lâche-moi. Wow, trop cool. Merci, je manquerai pas de laisser 5 étoiles sur Internet. Merci, beaucoup. Devine ce que j'ai là, j'ai une surprise pour toi. Chichi, wow, beau. Faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire de ces hamburgers? Oh, bien sûr. Comme ça, notre bébé en saura rien. C'est un super plan. Bon appétit. Alors, ça t'a plu? Wow, wow. Hey, qu'est-ce que tu fais? Rien lui échappe, on dirait. Oh, elle s'est endormie. Oh, elle est trop mignonne. Oh, les enfants grandissent tellement vite. Ah, où tu m'emmènes? Hein? Je pense qu'on devrait ajouter beaucoup de poivre. Bon sang, je peux pas te dire que je suis en mystique. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Non, non, tout sauf ça. S'il te plaît, je t'en supplie, fais pas ça. Salut, je m'appelle Mélanie. Mélanie? Oh, tant mieux. Et je suis venue pour toi. Quoi? Oh, merci beaucoup pour ton aide. Je suis tellement reconnaissant. Génial. J'ai failli penser que tu... est-ce qu'on va prendre le thé, là? C'est ça. Tu veux une tasse? Bien sûr. C'est merveilleux. Voyons comment s'en sort notre petite fille. J'en crois pas mes yeux. Oh. Papa, maman. Encore toi. Viens par ici. Maman, non, t'as pas le droit de faire ça. C'est le moment idéal pour jouer à la poupée. Tenez, c'est pour vous. Bien sûr, c'est ce que tu veux. Ok. Bonjour, je suis Sandra, si on était copines. Non, pas question. Prends ça et ça. T'es trop cruelle. Oh non, ma poupée. Non, t'es méchant, papa. Oh, j'ai une idée. Attends un instant. Hé, hey, me laisse pas ici. Oh, je suis fichu. Et me voilà. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Rien, rien du tout. Ouais, on fait des jouets. Oh, vraiment? Alors prenez ça. Non, tout ça des bulles. Oh, j'adore les bulles. Ça vous apprendra à embêter mes amis. Très bien, on recommencera plus. Ouais. Wouhou. Je reviendrai te voir à l'occasion, Mélanie. Merci et ciao. Bye. Non, non. Où tu vas? Attends. Calme-toi, tu devrais pas t'énerver comme ça. Ça te dirait une belle poche de sang? Non, j'en veux pas.
Ta mère et moi, on a tous les deux fréquenté cette école, tu sais. Et voici Miss Darcy, la directrice de cette école depuis 1000 ans. Attends un peu, où sont tes crocs? Les mortels n'ont pas leur place ici. Comment t'oses la traiter de mortelle? C'est notre fille de chair et de sang. Vraiment? Alors, comment vous expliquer ça? Oh non! Dépêche-toi de cracher ça. Désolée, on revient dans quelques instants. Très bien, voyons ce qu'on a là. C'est vraiment bizarre. On va mesurer la longueur de ces crocs, juste au cas où. C'est absolument déconcertant. On doit effectuer d'autres tests. Aha. Voilà qui est curieux. Pas ça, pas ça, et pas ça non plus. On devrait peut-être faire un test sanguin. Eww, c'est trop dégueu. Eh bien, ça te dirait des frites plutôt? Oh, j'adore les frites. Hey, pourquoi pas simplement... sang, frites, sang, frites, sang. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Bon, très bien. Docteur, qu'est-ce que tu fais? On va voir comment tu réagis à la lumière du soleil. Quoi? Ah, ça fait tellement du bien. Eh bien, tout est clair maintenant. Elle est incontestablement, totalement humaine. C'est pas possible. S'il te plaît, docteur, tu dois faire quelque chose. L'avenir de notre fille en dépend. Oh, bien, bien. Ok. Désormais, tu auras des crocs comme nous tous. Waouh, c'est trop cool. Et bien sûr, il y a la question de la fameuse pâleur vampirique. Il ne faut pas non plus oublier ta tenue. Voilà qui est mieux. Ah, alors, je suis pas géniale? Bien sûr que je le suis. Merveilleux. Oh, docteur, t'es un génie. Je fais que mon travail. Très bien, nous revoilà. T'en penses quoi maintenant? Laissez-moi réfléchir un instant. Y a un problème, Miss Darcy? Je suis convaincue. Bienvenue dans notre école de vampires, Mélanie. Wouhou! On a réussi. Oh oh, je commence à avoir vraiment peur. Hey! Top là, mon pote. J'y crois pas. C'est sans l'humaine ici. Votre attention, tout le monde. On va commencer notre cours de chimie. Aujourd'hui, on va apprendre à synthétiser la friandise la plus appréciée de tous. C'est ça, du sang. Préparez vos flacons et vos réactifs et que l'expérience commence. Merci pour ton aide. Top là. Bon, qu'est-ce que je devrais choisir? Oh, peu importe. Super, c'est encore mieux que ce que je pensais. Oh, dégueu. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais, je vais créer ma propre formule hyper mignonne. Et j'ai les ingrédients juste ici. D'abord, les paillettes. Maintenant, le canard en caoutchouc. Une sucette et puis... Kissim ici. Et maintenant, je mélange. Très bien, tout le monde, le temps est écoulé. Alice, toi la première. Tenez. Voyons voir. Pas mal du tout, c'est du bon travail. Yes, cool. Et toi, jeune fille? Tenez. Bien, voyons voir. Ouais, non. Cet échantillon a besoin d'être travaillé. Oh zut, mais j'ai travaillé si dur. Et maintenant, on va voir si la nouvelle s'est bien débrouillée. Rose, hein? Oh, c'est tout simplement merveilleux. Attends un peu. Oh non, je suis devenue humain. Ouais, et vous voulez essayer? Bon bah, tant pis. Coucou maman, coucou papa, je vous présente mon petit copain, Derek. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par petit copain? D'où tu sors d'ailleurs? Je le savais, t'as pas de crocs. Désolé mon pote, mais tu fais pas l'affaire.
On n'autorise pas les mortels dans notre maison. Sors d'ici. Mais je... Je le laisserai pas partir. On est grave amoureux. Quoi? Je suis désolée, Mélanie. Oh non! Pourquoi tout le monde est si cruel avec moi? C'est ta faute, tu sais. Moi? Très bien, je vais arranger ça. Oh, Mélanie, tu me manques tellement. Ma bien-aimée, Mélanie. Bon, ça suffit, arrête de brailler. D'accord, je pleurerai plus. Très bien, on est d'accord? Ok. Génial, eh bien, allons-y. Wow, ok, donne-moi une seconde. C'est de la sorcellerie ou quoi? C'est de la magie de vampire, voilà ce que c'est. Bon, mon pote, je vais te dire comment organiser le date parfait. Mais comment? À partir de maintenant, traite-moi comme Mélanie. Tu ferais mieux de m'écouter, mon vieux. Je t'en prie, vas-y, assieds-toi. J'ai super faim. Oh ouais, assieds-toi. Non, imbécile, où sont tes manières? Oh, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Je t'en prie, assieds-toi. Oh! Tu crois que c'est drôle, hein? S'il te plaît, excuse-moi, je suis super stressée en ce moment. Bon, on va continuer. Mélanie, te tends la main. Oh, j'ai compris. Salut, Mélanie. T'es censée embrasser sa main, compris? Eh bien, si tu le dis. Oh, comme c'est romantique. Toc, toc, je peux entrer? C'est elle. Ok, mon pote, rends-moi fière. Fais exactement comme je t'ai appris. Oh, ma chérie, tout va bien se passer. Salut, chérie. Oh, je suis tellement contente de te revoir. Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Pas mal. C'est moi qui lui ai tout appris. Jusqu'ici, tout se passe nickel. Phew. Bon travail. Oh, merci. Oh, je sais quoi faire, là. Bon, on ferait mieux de les laisser tranquilles, maintenant. Joyeux anniversaire, Mélanie. Du coup, on réfléchissait à un cadeau à te faire et... Tada! Un certificat pour 1 000 000 de litres de sang. Miam! Je suis un vampire maintenant! C'est trop cool! Ce jour est enfin arrivé! Wouhou! Oh, c'est sa première transformation! Waouh, j'adore ce nouveau look! Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas? Regarde! J'ai trouvé la pièce qui manquait! C'est moi, toi et maman! Oh, ma chérie! Dis bonjour à Mélanie! Elle sera ta maman à partir de maintenant! Ma mère? C'est une blague ou quoi? Oh, c'est très sérieux. Ah, c'est un vampire. Ma chérie, qu'est-ce que tu voulais dire? Papa, il faut vraiment que je te parle. Cette dame est un monstre. J'ai vu ses crocs de mes propres yeux, je le jure. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Coucou, ma chérie. Allez, mais regarde-la! Hey! Oh, elle est absolument magnifique! Franchement, tu vois pas? Je suis sûre que vous vous entendrez très bien. Allez, sois sage pendant notre absence. Pendant ce temps, on va bien s'amuser pendant notre rencard. Joyeux anniversaire à moi! J'ai un cadeau pour toi, ma chérie. J'espère que ça va te plaire. C'est cette jolie robe que t'as toujours voulu, après tout. Super! Tiens-moi ça, d'accord? Merci beaucoup, papa. Je tiendrai rien du tout pour toi. Oh, c'est le meilleur cadeau de ma vie. Oh, hé, quand est-ce qu'on va lui donner ton cadeau, hein? Mon cadeau?
Laisse-moi une seconde. Oui, je peux pas lui donner du sang quand même. Chérie, tout va bien? Oh, bien sûr que oui, chérie. C'est juste que... Qui sait maintenant? Je m'en occupe, bougez pas. Bon, bah, d'accord. Je reviens dans une seconde. Salut, je suis la maman de Véronica. Oh, vraiment? Je vois. Alors, je peux entrer? Hey! Mais j'ai juste... Nickel! Ça fera l'affaire. Je vais juste me débarrasser de ça. Super! Bon, je peux y retourner. Tadam! Regarde ça, Véronica. Quel beau cadeau. De la part de ma belle-mère adorée? Ouais, je veux aucun cadeau de sa part. Ah! Oh, quelle horreur! Pourquoi elle est si méchante avec moi? Véronica, c'est très malpoli de ta part. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? C'était un cadeau de la part de ma vraie maman. Je suis tellement désolée pour ça, Kitty. Véronica! C'est quoi ça encore? Hé, c'est maman! Coucou, ma chérie, tu me laisses entrer? Pourquoi tu me demandes? Mais bien sûr! Oh, maman, je suis tellement contente de te voir. Je suis vraiment désolée d'avoir déchiré ton cadeau. T'inquiète pas pour ça, ma chérie. Je vais le réparer en un rien de temps. Tadam! Ta Kitty est comme neuve maintenant. Merci! C'est à cause de ma méchante belle-mère. C'est une vampire, tu sais? Vraiment? Oh, je le savais! Je sais! On doit trouver des preuves. Et comme ça, on pourra forcer ce monstre à tout avouer. Il y a des traces suspectes qui mènent à ce tiroir. Oh! C'est du sang! Bon, on doit découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des poches de sang! Génial! On a trouvé une preuve énorme! Ah, du thé Earl Grey, mon préféré! Hé, qu'est-ce qui se passe ici? On faisait que discuter. Juste des trucs, tu sais! Sors de chez moi! Non, pas question. On dirait que ça commence à chauffer par ici. Hé, vous deux! Arrêtez de vous battre! Je peux tout expliquer, papa! Maman et moi, on a découvert que Mélanie est un vampire! Et la preuve est juste là! Allez, regarde par toi-même! Mais, je vois rien du tout. Ah, j'y crois pas. Moi, Bon, très bien. On trouvera un autre moyen. Oh, Mélanie! Je crois que quelqu'un t'appelle. On va ajouter un peu d'ail là-dedans. Bon, je vois personne. Ça devait être mon imagination. Qu'est-ce qui va pas, ma puce? Je reviens tout de suite, chérie. Oh non! Je vais être en retard à mon travail! Bye bye! Amusez-vous bien. Très bien. Vous perdez rien pour attendre, vous deux. Maman! Au secours! Sauve-toi, ma chérie! Ça leur apprendra à me chercher des noises. Hé! Ces mortels sont tellement faciles à duper. Miam! Très bien. C'est l'heure de manger. Coucou, maman! Tu m'as trop manqué. T'as aussi beaucoup manqué à ta maman. À demain! Fais de beaux rêves! Bonne nuit, ma chérie! Bye bye! Oh, j'ai tellement hâte d'être à demain! Ah! Qu'est-ce que c'était que ça? Oh non, j'ai trop peur! Ah! Est-ce que c'est des fantômes? Ah! Les plantes de maman! Allez, c'est bon, Véronica, calme-toi. Les fantômes n'existent pas. Ah! Les fantômes existent! Et ils veulent me manger. Y a quelqu'un? Éloignez-vous de moi, sale monstre! C'était qu'une plante, en fait. Je devrais en parler à papa. Oh, tout sauf ça! Va-t'en d'ici! Oust! Ah!
J'espère qu'elle aura assez mangé pour pas s'en prendre à moi. Véronica, debout. Ah, oh, je t'ai apporté ton petit déjeuner. Ah, oh, merci papa. C'est vraiment gentil de ta part. Tout ce que tu veux, ma chérie. Hey, c'est quoi ces marques? Fais voir. Hein? Je sais pas du tout d'où ça vient. Moi, je sais. C'était Mélanie. Elle t'a mordu pendant que tu dormais. Bonjour tout le monde. Oh non. Oh, chérie. Comment t'as fait pour te blesser comme ça? Essaie d'être plus prudent, d'accord? Je te déteste tellement. Prends ça, sale suceuse de sang. Oh. Hein? Viens, chérie, tu devrais prendre une douche. Waouh, t'es une super actrice, tu sais. Je t'ai à l'œil, ma belle. Oh oh. Il était ici, quelque part. Le coffre secret de Mélanie. Maintenant, je vais enfin découvrir ce qu'elle cache. Waouh. Oh, waouh, il est ouvert. Waouh. Wow. Haha, je te tiens, petite fouineuse. Oh, je déteste cet endroit. C'est trop horrible ici. Reste là et réfléchis à ce que t'as fait, ma chérie. Maintenant, où je vais cacher la clé? Ah, parfait. Personne la trouvera ici. Il est temps de donner une leçon à cette vilaine petite fille. Oh, je sais même pas par où commencer. Prépare-toi à rencontrer Frankie. Ah, ha, ha, ha. Oh, je suis tellement méchante. Non, tout sauf des chauves-souris. Alors, ça t'a plu? Je peux plus respirer. Je peux plus respirer. Oh, je dois me dépêcher d'appeler maman. Maman, je suis dans le pétrin. Tu dois m'aider. Tiens bon, ma chérie. J'arrive. Ok, le coffre est là. Waouh! Oh, il s'ouvre pas! Waouh! Regardez-moi cette énorme serrure! Vous pouvez m'aider à trouver la clé? Dites-moi où elle est dans les commentaires! Sous le lit, hein? Merci! Te voilà, ma jolie! Bon, jusqu'ici, tout se passe comme prévu! Attends un peu, je vais ouvrir ce truc! Maman, j'ai eu tellement peur là-dedans. Tout va bien, ma chérie. Maman est là pour toi. Ah, je peux enfin prendre du temps pour toi. Oh, elle doit être en train de manigancer quelque chose. Et je vais découvrir quoi. Ah ah! C'est exactement ce que je pensais. Un vampire dans son état naturel. Papa doit voir ça. Papa! Oh, je suis un peu occupée en ce moment, ma chérie. Bon, bah, dans ce cas, je dois capturer des preuves. Oh, ce smoothie au centre facteur est plutôt pas mal. Dis cheese. Phew. Bon, de quoi tu voulais parler? Tu dois voir ces photos. Oh, Véronica. Qu'est-ce que je suis censée voir, hein? Allez, papa, regarde de plus près, juste là. Oh, ma chérie. T'as raison, c'est trop marrant. Hé, pourquoi vous rigolez? Oh, Véronica, c'est trop mignon. Oh, c'est vraiment pas juste. Merci de nous avoir fait rire, ma chérie. Berk, c'est quoi ce truc? Bon, disons que c'est un mouchoir. T'es un peu sale ici, regarde. Oh, Adam, t'es si attentionné. Tu m'échapperas pas. Oh, je vais bientôt gagner. J'y suis presque. Hé, vous mettez pas devant moi comme ça. Papa, au secours, elle veut me mordre. Oh, elle fait que plaisanter. Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi. Attends une seconde. C'est des crocs, ça? Non, c'est pas possible. Oh non, Véronica!
Touche pas à ma fille. Oh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu veux vraiment te battre contre moi, stupide mortel? Chichi, wow! On dirait que ça chauffe par ici. Ok, papa, à moi de jouer. Hi-ya! 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 Oh! Oh! Oh, tu perds rien pour attendre. Aïe! Oups, désolé, je voulais pas faire ça. Brrr. Vous arrêtez jamais de vous battre, hein? Allez, arrêtez ça tout de suite. Je me répéterai pas. Mais c'est elle qui a commencé la première! Ma vie, s'il te plaît, sors d'ici. Bon, très bien, je vais partir. Oh, c'était tellement stressant. Éloigne ce truc de moi. Mélanie, encore raté. Grrr. Si on veut que quelque chose soit bien fait, vaut mieux le faire soi-même. Je vais m'occuper de ma belle-mère vampire toute seule. Encore une fois. Oh yes. Je me sens super forte. Oh! Gare à tes fesses, espèce de suceuse de sang. Ça, c'est pour ma mère. Oh, lâche-moi tout de suite. Arme, check. Aïe, check. Baume à lèvres et déodorant de protection, check. Je suis prête maintenant. Tu vas voir, tu perds rien pour attendre. Quoi? Wow, wow! J'ai pas peur de toi. Ha! Raté! T'as aucune chance. Prends ça. Ah! Aïe! Quelle tête en l'air! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Coucou chérie. Mais alors, t'es vraiment un vampire, hein? Ouais, et alors? Maintenant, écoute ma voix. Je ferai tout ce que tu dis. Attache cette morveuse et dépêche-toi. Tes désirs sont des ordres. Oh! Hein? Papa, non! Oh, personne viendra m'aider maintenant. Crois-moi, j'y veillerai. J'ai vraiment besoin de votre aide, tout le monde. Envoyez-moi tous vos likes pour que mon père sorte de son hypnose. Chichi, waouh, trop cool! Merci beaucoup. Attends un peu. C'est un vampire. Mon hypnose fonctionne déjà plus? Oh, je me sens pas très bien. Bon bah, oups. Maintenant, c'est l'heure de manger. Non, t'approches pas de moi. Je te laisserai pas lui faire de mal. Maman, c'était trop cool! Génial! Je savais que je pouvais le faire. Viens par là, je vais te détacher. Et voilà. Merci, maman. Oh, ma petite fille adorée. Aïe! Oh, ma tête! Hé, hé, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, un vampire? Maintenant, elle fera plus jamais de mal à qui que ce soit. Oh, vous êtes vraiment sûr de ça, hein? Oh, je crois que j'ai une idée. Le pendentif de Ladybug. Je vais en acheter un. T'es prête pour ta transformation incroyable? Espérons que ça fonctionne. Non! Waouh, je suis Ladybug maintenant. Trop cool! On forme une super équipe, hein? Merci beaucoup, tout le monde. Allô? Vous avez besoin de mon aide pour combattre Papillon? J'arrive! Je dois y aller. Bye bye! Rends-toi, Papillon! T'as plus nulle part où aller. T'es prête, Ladybug? Je suis née prête. Vous pensez vraiment pouvoir me battre? Oh oh! Je crois qu'on est dans le pétrin cette fois. S'il te plaît, nous fais pas de mal, Papillon. On t'en supplie. Dans vos rêves. J'aurai aucune pitié. Chat noir, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Quoi? Je vais être père? Et ouais! Alors là, ça suffit. Gare à toi, Papillon. Oh! Oh! Ouais! On a réussi. Waouh! Mon ventre! On va enfin voir à quoi ressemble notre bébé.
J'ai tellement hâte. Salut. On va pouvoir commencer l'examen. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Chichi, wow! Coucou, ma chérie. T'inquiète pas, tu rencontreras bientôt ton papa et ta maman. Oh, quel adorable petit bébé. Je crois bien que c'est l'heure de manger. Oh, quel échou! Ah! Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en ai aucune idée. Oh non, c'est le signal. On doit y aller. Hé, hey, attends-moi. Tu sais que j'arrive pas à te suivre. C'est bon, on y est. Qui pourrait bien avoir besoin de notre aide ici? Ouais, cet endroit me donne la chair de poule. C'est tellement flippant. Ah! Au moins j'ai mon yo-yo dans la main. Allez, okay. Ladybug, suis-moi. Ah! Il y a quelqu'un là-bas. C'est encore un des pièges de papillon, tu crois? Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Mercredi à Dance? Salut, vous. Félicitations pour ta grossesse. C'était une surprise pour nous? C'est ça, t'as tout compris. Attends, je vais faire exploser ce truc. Alors, ça donne quoi? Dépêche un peu, bad boy. Ah, juste un instant. Ah, combien de temps ça va encore te prendre? Hello, Kitty. Parfait, ça sera le déguisement idéal. Ils vont avoir un sacré choc. T'embête pas, bad boy. C'est pas grave s'il n'y a pas de confetti. Alors, qui a envie d'une part de gâteau? Oh, j'avais justement envie de manger quelque chose de sucré. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On va découper un bon grand morceau. Allez, allez, qu'est-ce que t'attends? Hé, hey, je viens de me rappeler que j'en avais un autre. Yes! Oh non, tout sauf ça! Oups! Vous inquiétez pas, je vais bien. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Eh bien, vous savez quoi? Je crois que je devrais y aller. Kitty est vraiment bizarre aujourd'hui. Bref, on va reprendre là où on en était. Je sais, oncle Dracula, c'est tellement humiliant. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un nouveau plan. Je vais kidnapper Ladybug. Ça va forcément marcher. On a juste besoin de cordes pour attacher Ladybug, puis il me restera plus qu'à me régaler. Oh, je suis un génie. Bienvenue à notre cours sur l'art d'être parent, tout le monde. La première chose que vous allez apprendre, c'est à changer les couches. Dites bonjour à nos adorables petits bébés. Eww, pas question. On rentre trop vite dans le vif du sujet, là. Cette odeur, c'est dégoûtant. Merci beaucoup, mais je crois qu'on va y aller. Hé, hey, restez là, vous deux. Changer les couches, c'est en fait très facile. Comme ça, en deux temps, trois mouvements et... Tadam! On a un bébé heureux et tout propre. Et si on laissait Chat Noir essayer? Je suis prêt. Je vais mettre mon masque. Et une protection en plus, juste au cas où. Allez, c'est parti. T'es sûre que tu vas y arriver, chérie? Ouais, t'inquiète pas. Ça marche pas, la couche est collée. C'est vraiment pas très pro tout ça. Coucou vous, je vous ai manqué. Oh, waouh, quelle loose. Hein? C'est une couche sale? Bon, bah, on va réessayer, hein. Ok. Ok, chérie, laisse-moi m'en occuper. Un globe, c'est exactement ce qu'il me faut. Parfait. Tu perds rien pour attendre, Ladybug. Et voilà. Chichi, waouh. Tiens, prends le bébé dans les bras. Salut tout le monde. Désolée, je suis nouvelle en la matière. Oh, c'est merveilleux. Je reviens tout de suite. Tu vois, tu te débrouilles super bien. Tu sais comment tu vas appeler ton bébé? Oh, laisse-moi un moment pour réfléchir. Nope, je sais pas. Hé, hey, que quelqu'un m'aide! Du calme, ma chérie. Ah, je dois encore emmailloter le bébé? Hé, hey, où est passé tout le monde? Hé, hey, tu peux m'aider? Tu sais où Ladybug s'est enfuie? C'est pas possible! Elle a été kidnappée par un vampire! Merci pour l'info. Où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Cet endroit est trop chelou. On dirait que j'ai atterri dans l'antre d'un vampire. Waouh, t'as vite compris ce qui t'attendait. Tais-toi, tu fais trop de bruit. Et maintenant, il est temps de se régaler.
Ah, tu me casses les oreilles. Coucou, ma chérie. Miam, miam, miam. Les mains en l'air. Essaie donc de m'attraper. Oh, chat noir. J'ai tellement faim, tu sais. On doit vite sortir d'ici. Oh, mon héros, tu m'as sauvé. Hé, hey, qu'est-ce que c'était que ça? Non. Bon, assez plaisanté. Je veux du sang. Prends ça, sale monstre. Tu me fais rire. Miam. Aïe, ça fait trop mal. Dégage d'ici, toi. Tu y crois, ça? Elle m'a mordu. En effet, et c'était délicieux. Hé, hey, tout le monde, on a besoin de votre aide pour retourner dans le passé. On doit empêcher cette tragédie de se produire. Nickel! Merci beaucoup. Ha! Loupé! Miam! Oh, c'est une blague! Dégage d'ici, toi. Tu crois ça? Elle m'a mordu. Oh, comment elle ose poser le doigt sur mon bébé? Ah! Hé! Hey! Allez, pas la peine de s'énerver. Oh oh! Hé, hey, maman! Je crois que c'est le moment. Ok, tu calmes. Je dois pas stresser. Oh. Tiens bon, ma chérie. Je vais t'emmener à l'hôpital. Vous êtes trop drôles, tous les deux. Hé, hey, je me sens bizarre. Hé, hey, attendez-moi! Oh, elle est pas trop mignonne. Hé, hey, quelqu'un peut m'aider? Oh, quelle horreur! Quoi? Un vampire? Ah, t'approches pas de moi! Je sais me défendre, fais gaffe! Du calme, s'il te plaît, pose cette taille et ce pieu par terre! Dégueu! S'il vous plaît, me mords pas! J'ai juste besoin d'une échographie! C'est vrai? Oui, en fait, je suis enceinte, tu vois! Oh! T'aurais dû le dire tout de suite. Ok, Miss Vampire, vas-y, détends-toi. Ah, on dirait que mon bébé meurt de faim là-dedans. C'est trop mignon. Je sais exactement comment régler ce problème. Aïe! C'était pas très gentil de ta part, ça. Ah oui? Mais ça a l'air de plaire au bébé. Merci beaucoup. Ça, c'est ma fille. Je suis enceinte. Ah, c'est vampire, alors. Oh là là, c'est Derek. Ok, ok, ça va aller. Tu m'as pris des fleurs? C'est trop mignon. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe avec ton ventre? Eh bien, je suis en quelque sorte enceinte. Enceinte? Ok, ok, du calme, ça va aller. Bon bah, je me tire. Hé, hey, attends, laisse-moi t'expliquer. Très bien, j'écoute. Comment est-ce que c'est arrivé? Eh bien, j'ai juste mordu Ladybug qui était enceinte à ce moment-là et bim! Ouais, c'est ça. Je te mens pas, je te le jure. Tu sais que t'es le seul qui compte pour moi. Dans ce cas, super! Et si j'allais chercher quelque chose à manger? Ouf, il a l'air de l'avoir bien pris. Me revoilà. Tiens, ton smoothie au sang. J'aime pas trop en fait. Oh, et si j'ajoutais un peu d'ail? T'es sérieuse là? Non, très bien, je reviens tout de suite. Voilà. Ah, ça pue trop. Oh, super! Ça a l'air tellement bon. Je suis contente que ça te plaise, Ala. Et ce sera encore meilleur avec de la chantilly. Délicieux. Je peux pas croire qu'elle mange vraiment ça. Merci beaucoup, chérie. Tu me sauves la vie. Oups, désolée. Ça arrive à tout le monde, hein? Oh, Edward, pourquoi t'es sortie t'exposer au soleil comme ça? Salut, j'ai ta pizza juste là. Oh, merci beaucoup. Et de la sauce à l'ail? C'est une blague ou quoi? Mais c'est exactement ce que t'as commandé. Oh, tu préfères pas me voir en colère. S'il te plaît, Miss, laisse-moi tranquille. Je suis que la livreuse coursier. C'est un crâne? Oh. Hé, hey, réveille-toi. Un vampire! Je crois que je vais accoucher. Oh, ça fait trop mal! Bouge de là! Oh! Ah! Hé, hey, fais gaffe! Ok, pas de panique, je peux t'aider. Du calme, Miss.
J'ai suivi une formation d'infirmière, t'inquiète. Oublie pas de bien respirer. On expire et on inspire. Je respire, je fais de mon mieux. Ouh, hop, j'allais. Regarde, c'est ton bébé. Aïe! Éloigne-toi de moi tout de suite. Comme elle est chou. Elle est comme sa maman. Ach! Quoi? J'ai des crocs? Oh, il manquait plus que ça. Aïe! Oh là là! Allô? Oui, on a besoin d'une ambulance. C'est une urgence.